Bonjour à tous, donc nous sommes toujours à Euro Expo en présence d'Alexandra Primo-Curté qui vient de remporter l'épreuve par équipe Défi Jump Hunter. Donc Alexandra, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette épreuve et nous expliquer en quoi elle consiste ? C'est une épreuve par équipe avec un cavalier amateur sur une maniabilité 105 et un cavalier pro sur une épreuve Grand Prix 1m25. Donc pour les gens qui ne connaissent pas le Hunter, est-ce que vous pouvez spécifier un peu ce qu'est une épreuve maniabilité ? Alors une épreuve maniabilité, c'est une épreuve où le tracé est orienté sur une tendance vitesse CSO avec des abords et des réceptions courtes, des sauts de biais, des sauts décalés et puis des passages imposés. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'est passé votre parcours en particulier ? Très correct, avec une jument à l'écoute, franche et disponible. Un parcours assez correct. C'était sa première participation en Hunter équitation, autrement elle fait du Hunter style. Donc vous faites aussi partie de l'association Promotion Hunter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi participer ? Créer un tel événement sur Euro Expo met en valeur votre discipline ? Le but recherché, c'était surtout dans l'épreuve par équipe couplée avec l'épreuve Grand Prix, de façon à amener des cavaliers de CSO sur cette discipline et éventuellement les convaincre ou les encourager à pratiquer la discipline du Hunter. Merci beaucoup Alexandra. Donc on se donne rendez-vous dans 15 jours le 3 et 4 mai à Chazé pour les championnats régionaux de Hunter organisés toujours par l'association Promotion Hunter. En sachant qu'on aura la finale du Grand Hunter Régional à Cluny début juin et la finale des championnats de France début juillet à Bourg-en-Bresse.